Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Benoît Mille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Undertale. Donc du coup, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo sur Undertale, où d'ailleurs le son était vraiment dégueulasse, on va pas se le cacher, j'ai décidé de changer tout ça. C'est-à-dire que le son du jeu est vraiment bien plus bas. J'ai augmenté énormément le son de mon micro, ce qui fait que ça devrait quand même un peu mieux se passer. Donc du coup, vu que dans la dernière vidéo, j'ai pas eu mon LP, je me suis dit, autant que j'ai pas fini le génocide, la route génocide, j'ai fait les deux autres routes, mais j'ai pas fini la route génocide. Donc, au final, je me suis dit, go pour la route génocide. Oui, on va se le cacher. Alors, le seul problème, c'est que là, si je reset... Ah non, quand même, si. Du coup, on va pouvoir refaire un petit nom. Comment on va s'appeler? Je pense que je vais prendre le vrai nom, comme ils disent. Oups, non, c'est pas ça. Calme-toi, Jean-Mamoud. Bref, donc c'est... Le vrai nom, c'est... Kara, je crois. Ouais, je crois que c'est Kara. On va mettre Kara et là, on verra si c'est le vrai nom. Mais je crois que oui, c'est ça. Voilà, the true name. Ok. Donc du coup, on est parti pour le mode génocidaire. On va tuer des choses. Lololololololol, ça va être la drôlité. Bon, alors, je vais juste... Je pense que là, vu que dans la dernière vidéo, vous avez déjà vu ce passage... Enfin, non. Je sais pas si j'avais fait une coupure. Je crois que j'avais fait une coupure. Peu importe. Je vais faire une petite ellipse pour quand même voir si tout est ok. Tout est bien, voilà. Le son, il est parfait. C'est bien comme ça. Allez. Donc du coup, petite ellipse, à tout à l'heure. Et re tout le monde, du coup, j'ai bien vérifié, tout est nickel, le son il est bien et tout. Bon, je pense qu'il faudra quand même que vous devriez peut-être augmenter un tout petit peu le son de YouTube. C'est un conseil comme les autres, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce que je vous dis. Même je vous conseille jamais de faire ce que je vous dis. Donc du coup, on va commencer et on va se mettre bien. Donc, du coup, t'as pas mieux à faire. Hey. Tu vois ce cœur? C'est ton âme. C'est tout ton commence. Ton âme, au début, elle est faible. Faible, ça vaut rien, ton âme. Mais tu peux la faire devenir plus forte en gagnant du level. Et ouais. Qu'est-ce que le level? C'est du love. Et t'as quoi dans ta tête? La fleur, je pense qu'on va la faire avec cette voix. Tu veux du love? Hein? Je vais t'en donner, y'a pas de soucis. Le petit smiley du plaisir. Est-ce que je le fais? Ouais. Tu vois? Ah, le love, c'est fait avec ces petites pétales of magique of... B. Est-ce que tu es prêt? Oui, je veux mourir. Oulala, tant de dommages. Tu es idiot. Dans ce monde, c'est tuer ou tuer. Ou être tué. C'est tuer ou tuer. Il y a un concept. Pourquoi tout le monde devrait passer une opportunité telle que celle-là? Ah, trop de fleurs. Meurs. Jamais. Et ouais, boum. Moi je cheat. Dégage. Waouh. Quelle terrible créature! Torturer une petite personne innocente comme vous. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Je passe ici tous les jours pour voir si quelqu'un est tombé. Et tu es le premier humain à venir depuis un long moment. Viens, je vais te guider à travers les catacombes. Ok. Par là! Ça aussi, c'est une bonne voix. Ça, c'est être une femme, hein, mais c'est pas grave. Hop, on lit pas bien sûr les saves, parce qu'on perd de temps incongru. C'est incroyable, je déteste ça. On va faire comme d'habitude une vidéo... Je pense que là, on va faire des vidéos de 7 minutes par 7 minutes, vraiment. Et
et au final, vous les regardez en accéléré x2 et ça va passer nickel. 3 minutes 50, au moins vous êtes toujours concentré sur la vidéo, c'est parfait, c'est bien plus drôle à regarder. Bien que quand même, vu que j'ai un débit de parole plutôt élevé, ça va être chaud. Bienvenue dans dans ta nouvelle maison, petite personne innocente. Permets-moi de t'éduquer dans les opérations des ruines. Wow. Attends, je vais voir si ça fait quelque chose si on appuie sur les deux autres blocs. Dans les ruines sont pleines de puzzles. Ah oui, alors. L'ancienne fusion entre les diversions et les portes à clés. Portes à clés. S'il vous plaît, monsieur. Un doit être résolu. Avancez le pierre de pièce par pièce. Oui. S'il te plaît, ajuste-toi et fais. Voilà. Hop là. Ah oui. Ça fait rien. Pour progresser ici, il y a des switches. Ah, un switch. Lol. Ne t'inquiète pas, j'ai mis des peintures autour pour savoir lesquelles tu dois tourner. Enfin, tourner. Quoi, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Wow! Incroyable! Je suis fier de toi. C'est pas comme si tu m'avais aidé en même un million de fois et qu'il y avait un petit chemin pour aller vers le levier. Peu importe. Allez, continuons pour la prochaine pièce. Comme tu es un humain qui vit dans le dessous, dans l'underground, les monstres vont attaquer. Enfin, les monstres vont attaquer. Et tu auras besoin d'être préparé pour cette situation. Merde! Non! J'oubliais la voix. Il faudra que tu sois préparé pour cette situation. Ne t'inquiète pas. L'étape est simple. Tu rencontres un monstre, tu vas entrer en combat. Et quand tu es en combat, tu entames une conversation amicale. Pour l'instant, et tu vas résoudre tous les conflits. Et c'est un peu avec je sais vraiment plus le mot en français, peu importe. Salut! Ah, boum! Get one shot! I don't care! C'est pas fait pour se battre. C'est pas fait pour se battre. C'est fait pour parler. Non, je suis pas schizophrène, madame. C'est pas, comment dire... Tu ne veux pas faire du mal aux autres, hein? Viens maintenant. Là, elle est en mode, oh putain, je vais me faire niquer, moi. Il y a un autre puzzle dans cette pièce. Je me demande si tu vas le résoudre. Non, puisque c'est toi qui vas m'aider. Et d'ailleurs, la petite grenouille qui va apparaître maintenant. Wow! Brr. Oh, level up. Non. C'est le puzzle, mais je pense que tu devrais prendre ma main. Le moment chiant du jeu. Non, vraiment, c'est le moment chiant. C'est en mode. Mettez ceci bien plus rapidement, s'il vous plaît. Les puzzles sont un petit peu trop dangereux pour le moment. Oui. Tu as fait de l'excellent travail pour l'instant, mon enfant. Et pour l'instant, j'ai une requête difficile à t'avouer, enfin à te demander. Je voudrais que tu traverses cette allée tout seul. Désolé pour cela. Oh, elle nous a abandonnés. Ah, on va mourir en position fétale dans un coin. Tapé par des moustiques et des grenouilles. Jamais, je vais traverser cette allée. Et je vais la retrouver parce que c'est caché derrière le pilier. Incroyable, je m'y attendais tellement pas. Eh, bienvenue mon enfant, enfin mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas quitté. J'étais caché derrière ce pilier tout le temps. Merci pour m'avoir fait confiance. J'ai une importante raison d'avoir fait cet exercice. C'était pour tester ton indépendance.
Bon, j'ai du business qui m'attend. On va te voir la monnaie. On a fait exactement la même blague dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave. Donc, reste ici un petit peu, s'il te plaît. C'est dangereux d'explorer par toi-même. Tiens, j'ai une idée. Je prends ce téléphone portable. Si tu as quelque chose à me demander, appelle-moi. Sois cool. Hein? Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, du coup, vu qu'on est dans le mode génocide, ce sera une vidéo de farm. C'est pour ça que je pense que... Ouais, sinon, je vais quand même faire un commentaire. Je vais pas la mettre en accéléré x2 parce que ce serait beaucoup trop rapide. Mais si la vidéo dure plus quand même de 7 ou 8 minutes, je pense que je ferai une ellipse, enfin je dirais qu'il y aura une ellipse, et la suite je la ferai en accélère x2 pour pas que ce soit trop chiant, pour pas que la vidéo soit dure 15 minutes, c'est pas le but recherché. Bref, donc du coup, à bientôt et à plus, c'est génial Misotro, pour une prochaine vidéo, bye bye.